Eh bien, c'est comme ça la police, plus spécialement Simon, t'es réuni très tôt le matin pour t'encadrer manifestation. Mais à ce moment-là, t'es gagné un régiment, organisation populaire qui débarquait avec sa faculté des sciences humaines censée assiéger. Parce que organisation populaire là, empêcher étudiants aux sorties pour prendre la rue. Journée cela, c'était une journée noire en parlant de vendredi. Vendredi noir parce que ils ont enregistré une affaire de 25 ans étudiants blessés. Il y a un qui blessé par balle, il y a un qui blessé avec un coup de bouteille, il y a un qui blessé avec un coup de bâton, coup de fer et en même temps roche. Parmi les blessés, il y a un recteur de l'Université d'État d'Haïti, M. Jean-Marie Pacquio, vice-recteur de l'Université, c'est M. Wilson Lalo. Eh bien, il y a tout un prend bâton, prend matraque, après que la police est campée devant pour empêcher toute organisation populaire là où rentrer en dans la cour universitaire, mais ils ont passé pas derrière, ils ont pété une muraille, ils ont introduit Corio dans la cour. C'est là que nous joignent l'obéi et des blousailles. Mais ils dit étudiants ont campé pendant 2 heures à battre résistance pour empêcher membres organisation populaire Silayo rentrer dans la cour. Avec rentrer dans la cour, c'est là que l'obéi et des blousailles passaient, côté évalué 25 blessés. Nous invitons à attendre et à voir avec l'image que Télé Haïti te prend vendredi sur les lieux. Non, pas encore. Cassez-vous, j'en venais. Qui radio qu'est-ce qu'il y a? Radio qui est-ce qui boit pour vous? On peut l'avalation. Et c'est une par une étudiante qui a sorti dans le cadre de la société. Des situations qui dérouillent. Mes amis, l'éternel va battre. Non. Non,
Après qu'un étudiant en faculté des sciences humaines passait 2 heures de temps à battre résistance avec même organisation populaire qui était rentrer dans la cour faculté, mais avant que tu allé vers la faculté des sciences humaines, mais tu es passé tout l'inagé. Là, étudiants yo battent résistance près d'une heure de temps pour empêcher même organisation populaire si là rentrer en dans la cour. Mais rentrer ou rentrer, c'est un véritable raz-de-marée, crasé, brisé, non seulement yo crasé tout matériel en dans l'école là. Yo crasé computer, yo crasé étudiant en bas roche, en bas bâton, coupe fait, toute qualité qui fait, c'était un véritable drame qui était gagné là avenue Christophe, parce que l'université des sciences humaines et INAGE, c'est là où c'est là que oui, nous invitons à garder qui j'en s'attaque passé la faculté INAGE. Faculté à l'inde à coup pagué coup le battement pile Denis comment il est L'affrontement qui était gagné entre étudiants faculté des sciences humaines, faculté INAGE, qui t'a manifesté contre président Aristide avec contre manifestants qui est organisation populaire là-haut, eh bien, affrontement s'il a, il fait en pile dégâts. Mais tribu qui plus lourd là, c'est étudiants qui payent, mais même organisation populaire là-haut, ils payent tout parce que ils ont affaire de 5 blessés l'an rang. Ça me fait gagner, ça me gagne. C'était lundi après-midi vers les 5 heures, M. David Aped et M. Henri Becker te joignent Liberté Yo. Eh bien, Liberté Yo, la prison nationale, pénitencier national, côté avocat, groupe 184, t'as cherché aussi bien que les membres de la famille. Eh bien, la matin, on était allé devant le juge d'instruction, c'est juge Sinclair, juge Joacin Sinclair qui était tendu au côté avocat, on était demandé, on m'a levé.
et le commissaire du gouvernement par intérim, monsieur Riquet, maître Riquet Brutus, était d'accord là, dans l'après-midi. Vraiment, yo ba yo liberté yo, yo te sorti en prison, yo mette yo non machine qui te immatriculé, corps diplomatique qui menait yo allé. Avocat groupe 184 en la personne de monsieur maître Rigaud Duplan dit que il est bien content, le fait est que le monsieur a rejoint liberté yo et le commissaire du gouvernement prend responsabilité avec deux bras. En la personne de maître Riquet et Brutus, que lui prend responsabilité, lui, les libérer deux citoyens Silayo qui passaient 3 jours en prison, d'après ça que maître Rigaud Duplan dit l'un micro-journaliste, aussi bien que on sait, et monsieur Becker qui était venu rencontrer yo devant pénitencier national. Mais finalement, on a réussi, les deux, de libérer eux. Donc, la liberté, nous connaissons qui sa liberté hier en Haïti. Son bail qui cher, c'est l'enfant chéri du peuple haïtien, l'enfant chéri de tout le monde, surtout les défenseurs des droits de l'homme. Nous sommes les défenseurs des droits de l'homme, donc nous satisfaits et nous présentons compliment à nos juges là, qui finalement assumait la responsabilité. Il a fait ce que la loi lui commande de faire, tout comme Caboutus, qui en urgence fait diligence. Qui fait ce que la loi lui commande de faire. Merci beaucoup. La liberté définitive. Définitivement, c'est pas de guerre à faire, monsieur. Excusez-moi. Pas de guerre à faire, monsieur. Voilà. Mais nous voyons la puissance de la prière. Il y a puissance de la prière, la confiance en Dieu et arrive à bout de tout. Et voilà pourquoi nous sommes dans l'action de grâce et avec Maman Marie, nous lui demandons de dire merci pour nous à la Trinité. Et à elle, nous disons merci. Monsieur Henri Becker et David Apèd, après libération, ont fait un chita causer avec la presse. Là, en conférence de presse, côté monsieur Becker dit c'est plus belle prison qu'on capable prendre. L'on prend prison pour payer. Eh bien, il dit prison, c'est là que l'on prend, non seulement l'augmenter courageux, mais l'obliger sur ça que l'on qui passait en la prison. Ça va au plus courage pour continuer à demander une véritable démocratie pour le pays d'Haïti. Qui fait prison, ce n'est pas décourager, la décourager ni mettre en déroute. Au contraire, il y a cassé double force à courage pour continuer à demander liberté pour Haïti et demander démocratie pour Haïti. C'est ça que je te dis là, on rencontre que je te fait avec la presse. Nous en prison, même j'ai oublié tellement d'autres prisonniers qui sont en prison. Et mais vraiment très. Pantillé sous ça, gagne un pile de frères noirs, soeurs noirs haïtiens, qui sont en prison, qui presque désespérés. Ils n'ont pas de cob, ils n'ont pas d'avocat. Alors ça veut dire qu'ils sont en prison. Gagne là-dedans, ils sont allés ou demander pour eux, ils n'ont pas de dossier sur eux. Alors moi, je suis très sensible à ça, étant donné que moi, son ex du pénitencier national, Titanic C-38. Et je dis matin, je remercie bon Dieu parce que les bonnes expériences ça, lui permettent que je suis capable de rentrer dans la prison pour moi, ça a privé en pile frère à soeur. Parce que monsieur c'est pénitencier, mesdames c'est fort national. Et je m'a surtout parlé de façon justice l'en gérer dossier. Pour moi-même, pas de justice dans le pays. Ou si gagne un baron côté lié. Déjà, dès que j'ai arrêté nous, c'est une preuve que nous, en bas, au gouvernement, nous avons demandé à M. Radio Vision 2000, de garder mon terrorisme et terroriste. Je vais nous même leçon, garder mon terrorisme avec terroriste pour que nous avons un gouvernement de terroriste. Parce qu'il y a un droit de vie et de mort. Basiquement, il y a un droit de faire ça, vous voulez avec nous. Le vous voulez, je vous voulez. Et si nous n'avons pas de courage, même j'en avec nous là, même j'en avec tout le monde qui est campé devant Rex, prends coup de roche. Le film prend coup de roche dans mes terroristes Aristide. Il prend gaz lacrymogène dans mes terroristes Aristide. Ce n'est pas normal. 184 là. C'est pour ça que nous là.
nous là pour que nous pas accepter l'inacceptable et nous pas accepter le. Monsieur Henri Becker, qui est industriel, c'est vice-président Adi, il a gagné factory, il a fait travail. Eh bien, d'après ça, que le fait qu'on est, pourtant que il est en prison, travail, le chita l'a apédomi, il y a fait 800 emplois qui sont censés perdus, qui fait tout contact qu'il a gagné à l'étranger, nous avons retiré le contrat. Et travail, il a gagné pour délivrer, il a gagné route à souli, qui fait tout ça. C'est un véritable problème pour malheureux et son problème que lié pour l'économie nationale là à cause de l'arrestation. Monsieur Becker dit que l'industrie là censé mettre 800 ouvriers au chômage. Ou pas qu'à chercher contrat, ou pas qu'à parler à client. D'autant plus que le client connaît que c'est dans la prison. Bah, si nous travaillons au monde dans le pays, ça qui est dans la condition de travail. Mais pour aller bien, j'ai un gros travail pour me faire pendant mois qu'à venir là, pour m'aller au client, pour me faire une petite confiance, pour me dire que même si moi-même je ne suis pas là, l'usine va continuer à marcher. Mais pour me faire que je fais, pour me faire que je dégagne de bon travail, allez. Ok? Et le perdu. Donc, so, je vais monter, mais je vais monter le petit pas. Gardez-moi en janvier. Fin janvier, vous voyez, si je bague 600-700 ouvriers encore. Ça, bon Dieu, vous voyez, moi, la valasse pas qu'à boter l'aller.